Yo les potes, c'est ça qu'il y a juste Brothers là-bas. Yo les potes. Donc là on se retrouve pour le deuxième unboxing donc du micro tout simplement. Donc j'ai fait l'unboxing du Joby juste avant qui est juste ici, donc je enchaîne vraiment la suite. Donc on va l'ouvrir, alors je sais pas, il y a une ouverture juste ici, donc ouais, moi c'est le micro Rode, le même que Brothers a, sauf que lui il a acheté de la mousse, que j'achèterai peut-être par la suite pour le vlog de la croisière où il y aura éventuellement beaucoup de vent dans l'eau, enfin dans l'eau. Sur, et donc voilà, donc c'est le vidéo mic, donc le Rode, etc. Donc on va juste le déballer. Je vais essayer de pas trop abîmer la boîte vite fait. Alors les pattes, j'ai ouvert. Bon, je crois que j'ai un peu massacré le truc, mais on s'en fout. Alors donc ça s'ouvre comme ça, on l'ouvre. Voilà, ensuite on va déballer. Après la boîte, ça va pas nous servir à grand chose. La boîte, voilà, une carton comme le Joby en fait, simplement. Donc le micro se présente comme ceci. Voilà, donc plutôt sympa. Arrête de remplir ma carte, s'il te plaît. Donc, ensuite, on a le micro, on va juste sortir vite fait. Voilà, donc le micro qui a une petite stabilisation, comme vous pouvez voir juste ici. Là, il bouge comme ça, etc. Ça, c'est pour bien stabiliser. Là où il y a des mouvements, quoi. Donc, après, là, le plastique, etc. Là, on a une petite notice de comment l'accrocher, comment fonctionnent les câbles, etc. Mais ça, on s'en fout un peu. Donc, est-ce que tu peux juste me passer ma caméra, vite fait? Tiens. Ouais, merci. Alors donc ma caméra où je mettrai le micro, en fait il y a juste un petit support juste au-dessus ici. Donc on l'ouvre comme ça et là on peut poser le micro juste ici, vous voyez. Donc là on pose le micro juste là-dedans. Donc ce que je vais faire c'est que je vais juste la poser vite fait ici comme ça. Et on va brancher les câbles, etc. Donc alors le vidéo mic, voilà comme ça. Donc là on enlève le truc si on veut mettre là une autre mousse en quelque sorte. Donc c'est exactement le même que Brothers, voilà, avec la petite inscription Rode sur les côtés juste ici, voilà, on peut l'avoir juste ici, voilà. Donc juste un peu résumé, voilà, tac. Donc on le branche un derrière le micro qui est juste ici, voilà. Donc on le branche comme ceci et ensuite on va le brancher dans le petit support. Donc le petit support il est juste ici, pour ceux qui veulent voir un peu, ceux qui sont encore intéressés par la caméra. Donc il est juste ici, on le soulève ici, voilà, et on le branche dans le plug-in power, voilà. Donc avec un petit signe de micro juste sur le côté, voilà. Donc là on a branché les deux câbles. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre juste ici comme ceci, voilà. Donc là on l'a mis dedans, donc on va juste resserrer la petite molette, je crois que ça va comme ça, on appelle ça une molette. Voilà, donc là on a serré, donc là on va dire que le caméscope est plutôt complet dans les accessoires, etc. Donc ce que je vais faire encore, c'est que je vais acheter une mousse comme je l'ai dit avant, comme Brothers, pour vraiment avoir des vidéos de bonne qualité quand il y aura du vent, etc. Donc c'est vraiment plutôt sympathique. Ceux-là qui veulent un peu le même temps que moi, la vidéo sur le caméscope est disponible, la vidéo sur le Joby est disponible et la vidéo sur Rode actuellement. Donc voilà, donc évidemment je mettrai le lien en description. Celui-là j'ai acheté sur Amazon, donc je me suis fait livrer aujourd'hui. D'ailleurs un jour plus tard, parce que normalement je devrais le recevoir demain, le samedi, et là on est vendredi. Donc c'est plutôt sympa qu'ils m'ont livré un jour plus tôt, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc on va l'allumer vite fait, juste montrer le retour, voilà, donc ce que ça fait. Après le micro, normalement je crois qu'il marche déjà, ouais c'est bon, nickel. Donc c'est bon, il suffit juste de le brancher, c'est bon, après comme toutes les caméras, etc. Voilà, donc après la caméra je vous l'ai déjà montré, le micro je vous ai déjà montré, vous avez déjà écouté sur la qualité de Brothers. Là d'ailleurs vous écoutez avec le même micro, c'est exactement le même, mais sauf avec la même mousse. Après la mousse, il y a une petite différence, mais c'est pas ouf ouf non plus, tu vois. Donc, voilà, donc je vais juste poser la caméra juste ici, voilà, donc plutôt sympathique comme objet. Je vous conseille vraiment, si vous êtes intéressé par des vlogs, de rechercher sur Fnac, parce que Fnac c'est vraiment un bon site pour la photographie, les vidéos, etc., les accessoires vidéo, les mousses, enfin les mousses ils en ont pas je crois. Non, les mousses, ils en ont sur le site mais pas en boutique. Voilà. Après ils avaient le trépied à la Fnac, donc déjà, sauf le micro, ils en ont pas le micro. Celui-là je crois qu'il est à peu près que disponible sur Amazon ou sur d'autres sites marchands, etc. Donc les potes, on est à 4 minutes de vidéo, je vais pas faire plus longtemps, c'est un unboxing plutôt rapide, voilà. Plutôt sympa, je voulais vraiment faire des vidéos là-dessus parce que c'est vraiment sympa pour celles qui veulent aussi se renseigner au niveau, qui regardent des vidéos, etc. Donc si vous avez moyen de découvrir, n'hésitez pas à lâcher un petit like comme d'habitude. Là je tiens à préciser, c'est la dernière vidéo que je pense que je vais faire avec la caméra de Brothers, voilà. Donc je le remercie encore de me l'avoir prêté pour cette vidéo. Donc comme d'habitude les potes, moi je dis, n'hésitez pas à lâcher un petit like comme d'habitude, à vous abonner, c'est pas déjà fait, et moi je vous dis, passez une bonne journée, bonne soirée, et puis c'est les potes, allez, ciao. Belle France. Deux, trois, quatre, c'est pas...